Action Movie Express. Bonjour, 13e jour de confinement chez nous en France, hein, comme vous le savez. Donc je profite de ce petit confinement pour lancer en fait cette nouvelle émission. Comme vous savez, la dernière émission de 100% Action a été bloquée pour des raisons de droit. Donc dans cette émission, on va essayer de procéder un petit peu différemment, pardon. À savoir que on va essayer de ne pas mettre de bande-annonce entière ou de son ou trucs comme ça. On va essayer, si on met de la vidéo, on va essayer de mettre de la vidéo soit sans son ou soit pas entière. Peut-être que du coup, au niveau droit d'auteur, on sera moins embêté. Enfin, cette première émission, donc. Je ne sais pas encore quel va être le titre de l'émission, j'ai pas encore réfléchi à cela, mais comme vous avez vu le générique du début, vous vous doutez bien que cette émission ça consacrerait aux évadés de l'espace sans le Kukai. Donc bien sûr, si on parle que de sans le Kukai ou des évadés de l'espace, ça va pas faire beaucoup d'émissions. Donc peut-être qu'on se penchera uniquement sur du tokusatsu, mais le problème de ça, c'est que y a déjà une chaîne qui propose ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette émission aussi, c'est pour compléter un peu le sujet de Fabien et Jordan de Tokuscope. Que j'adore leur émission, hein. Dommage que maintenant ils sont un peu moins présents. Mais bien sûr, ils sont beaucoup plus experts que moi. Mais cette émission-là, en fait, est aussi un peu pour rendre hommage à l'émission Tokuscope. Et en parlant de Tokuscope, en fait, je vous invite à regarder l'émission 30, donc l'émission de Sans le Kukai. Enfin, où ils parlent de Sans le Kukai, c'est leur émission 30. Sinon, vous avez leur émission 16 aussi, où ils parlent du film Les Évadés de l'espace. Donc, bien sûr, moi, je ne vais pas redire les mêmes choses qu'ils ont dit, parce que ça n'aura aucun intérêt. Et je vais plutôt essayer de compléter un peu. Parce que, comme je l'ai dit, hein, leur émission est très bien, mais en fait, ils ont... Dans l'émission 30, on va surtout parler de, en fait, aujourd'hui de l'émission 30 de Son Kukai, donc de Tokuscope. Où Jordan avait présenté les deux bandes dessinées françaises sans le Kukai, que j'ai aussi, forcément. Donc, la première, que Jordan, bien sûr, vous avez montré. Et donc, la deuxième. Donc, ce que Jordan disait, c'est que, en fait, celle-ci. Donc la première bande dessinée était le premier épisode de Sans le Kukai. Eh bien en fait, celui-ci il regroupe l'épisode 1 et 2 de Sans le Kukai. Donc pas uniquement le premier. Enfin, bon, c'est une petite parenthèse. Hein. Voilà. Sinon, comme Jordan l'a dit, les dessins sont très beaux. Et je crois que ça a été dit, je ne m'en rappelle plus, il faudra peut-être que je revoie l'émission. Si je crois que c'est Fabien qui l'avait dit, en fait les dessins sont de Pierre Frisano. Alors pour la petite histoire, hein, en fait Pierre Frisano, est un grand dessinateur, hein, bien reconnu. Mais à savoir que son fils Thomas donc Frisano. A fait un dessin dans son Kukai. Bon, pas dans celui-ci, mais dans celui-ci. Vous savez peut-être pas, mais Thomas Frisano, en fait, a fait une case dans cette bande dessinée pour, donner un coup de main à son père qui avait pris un peu de retard. Parce que, oui, j'avais rencontré, en fait, Thomas Frisano, je l'ai rencontré deux fois. J'ai eu la chance de le voir deux fois. Et donc la première année où je l'avais vu, je lui avais parlé donc de ces bandes dessinées de son père, Pierre Frisano de Sans le Kukai. Et il m'a dit, ouais, c'était bien. Enfin, et il m'a dit, tu sais,
J'avais participé, enfin j'avais aidé mon père à avancer sur une bande dessinée de Sankukai. Mais bon, la première année où j'ai vu Thomas, j'avais pas les bandes, j'avais pas emmené les bandes dessinées avec moi. Donc il n'avait pas pu me montrer la case donc qu'il avait faite. Et une autre année, hein, quand je l'ai revu un peu plus tard, ben, je savais qu'il était présent. En fait, la deuxième année où je l'ai vu, c'était en 2013. Donc voilà. Et en 2013, donc, je lui ai ramené ces deux bandes dessinées. Et là, donc, on a reparlé. Je lui ai dit, tu te souviens, tu m'avais dit que tu avais participé à une de ces deux bandes dessinées. Il dit oui, il me dit, tiens, regarde, je vais te montrer la case que j'ai faite. Alors, bon, moi, je vais pas. Je vous la mettrai en photo, là. J'ai fait capture. En fait, j'ai pris une photo de la bande dessinée. Et que donc j'ai mis et que je vous mettrai ici en illustration plutôt que de vous la montrer comme ça à l'image. Je peux juste vous dire, c'est page 18 de celui-ci. En fait, ce que j'ai pas dit, et ce que Jordan et Fabien n'avaient pas dit, c'est que cet épisode correspond à l'épisode 4 de Sankukai. Donc pourquoi ils n'ont pas fait l'épisode 3 ça, je sais pas. Peut-être que si je revois Thomas, peut-être que s'il a la réponse, je lui demanderai. Sinon, je voulais ajouter un petit quelque chose à ces deux bandes dessinées. C'est voilà. C'est donc page 14, ici. Eh bien, en fait, vous voyez Staros et le fantôme. Eh bien, le fantôme et Staros, en fait, eh bien, ils apparaissent que. Déjà, Staros apparaît. Enfin, Ryu apparaît en Staros que dans l'épisode 5. Donc, il n'apparaissait pas dans l'épisode 4. Hein. Il était quand Ryu, il n'était pas en Staros. Donc, Pierre Frisano s'est autorisé à un petit. Comment dire? Pierre s'est autorisé un petit changement en fait dans l'épisode. Ce qui est pas plus mal hein, d'ailleurs. Donc voilà. Ça c'était aussi la petite parenthèse que Jordan et Fabien n'avaient pas dit. Et aussi, je pense pas que c'est dans celui-ci. Non, c'est pas dans celui-ci, c'est dans l'autre. Bah, Thomas, quand je l'ai revu en 2013, en fait, je lui avais demandé s'il pouvait me dédicacer. Je lui ai dit, je sais, c'est ton père qui les a faites, mais. Ça serait bien que tu me les dédicaces, enfin, si tu pouvais me les dédicacer, ce serait ça gentil de ta part. Il m'a dit pas de problème parce que Thomas est une personne très sympathique. Et donc, il m'a gentiment dédicacé ceci. Et par contre, ce que je m'attendais pas, en fait, quand je lui ai demandé la dédicace, c'est qu'il me fasse carrément une petite dédicace vite faite, illustrée. Voilà. Donc, comme vous voyez, Thomas m'a fait un gentil dessin de Comenor. À savoir que, bien sûr, hein, c'est pas lui qui a fait les bandes dessinées de base. Donc, forcément, eh bien, je le remercie beaucoup pour son Comenor d'ailleurs. Et la prochaine fois, j'espère le revoir un jour d'ailleurs, et je lui ramènerai à nouveau ces deux bandes dessinées pour dire, je les ai conservés précieusement. Et donc, pour continuer donc le complément de l'émission 30 de Fabien et Jordan, ce qu'ils n'ont pas parlé, c'est qu'il y avait les deux albums pas Panini, parce qu'à l'époque, c'était pas Panini. Enfin, peut-être que ça existait déjà, Panini, je sais pas. Je suis pas assez calé là-dessus. Mais il y a eu deux albums autocollants, donc de Sankukai. Ils sont de belles pièces. Donc celui-ci est complet. Donc assez rare maintenant de le trouver complet. Ou alors on le trouve complet sur Internet, mais à des prix hallucinants. Donc moi j'ai la chance de l'avoir complet. Enfin voilà, je vous montrerai deux, trois. À quoi ça ressemble un peu. Enfin, je ne vais pas tout montrer, hein. C'est juste pour voilà. Donc, enfin voilà, celui-ci est complet. Malheureusement, celui-ci, je l'ai presque complet, mais il n'est pas complet. C'est dommage.
sûrement pareil, hein, faut pas tout montrer. Mais enfin voilà. Donc le deuxième album autocollant de Son Kukai. Donc bon bah bien sûr, hein, ils ont un peu sont un peu abîmés vu les années. Mais il y a aussi, on se répète, hein, comme d'habitude. Nous avons aussi une, je ne sais pas si on peut appeler ça bande dessinée, on va appeler ça roman, même pas, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. Enfin, nous avons ça. Bon, ça. Donc, c'est comme je dis, c'est pas une bande dessinée. Enfin, c'est une bande dessinée, mais sans bulles en fait. Enfin voilà, c'est un livre illustré, enfin un livre histoire, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin voilà. Pareil, je vais pas tout montrer, hein, c'est en français. Enfin voilà, c'est. Bon, les dessins, c'est un peu moins joli que ceux de Pierre Fusano, mais bon, c'est. Pour tout fan de Son Kukai qui se respecte comme moi, forcément. Je devais vous parler de ça. Et bien sûr, hein, c'était, comme je disais, c'était pour un petit complément à l'émission de Tokuscope numéro 30 de Fabien et Jordan, que je vous invite à revoir, puisque il parle plus en détail de la série. Et en fait, ça, c'est le complément à leur Dokukave, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et ils avaient présenté juste les deux bandes dessinées que je vous remontre. Hein. Vous avez présenté donc juste ces deux bandes dessinées. Donc moi je voulais aujourd'hui donc vous dire que déjà Thomas avait participé à celle-ci, non à celle-ci pardon, et que donc il y avait donc deux albums en plus autocollants et le livre bande dessinée roman, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle. Faudrait que je demande à mon ami Eddie. Lui doit savoir, celui c'est tout. Donc il faudrait que je lui demande si il sait comment on appelle ce genre de livre histoire, dessin, je sais pas. Donc voilà, nous avons un peu fait le tour du complément de ce que je voulais dire. Donc voilà, hein, c'est une émission un petit peu courte, hein, bien sûr. Hein, comme je vous l'ai dit, donc pas d'image par rapport au droit d'image. Donc du coup, je pense pas que cette émission soit bloquée. Et en fait, ce que je vais ajouter, c'est que dans l'émission prochaine, donc, comme j'ai dit, hein, on parlera encore Son Kukai, bien sûr. Alors, je me disais, soit parler d'épisode par épisode, en fait, détailler tous les épisodes, aussi, bien sûr, Son Kukai, comme Fabien Jordan l'ont dit, hein, enfin, comme vous savez, enfin, sauf si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous connaissez. Son Kukai en fait est un dérivé de Star Wars, hein, bien sûr. Hein. Les Japonais ont sorti ça par rapport à Star Wars, hein, même avant Star Wars. Mais quand ils ont su que Star Wars était produit par Lucas, ils ont fait leur Son Kukai à eux. Donc au début, les évadés de l'espace, qui devaient d'ailleurs que je pense pas que la série était prévue. Mais comme les évadés de l'espace, eh bien, on sait que ça a marché pas autant que ça au Japon, quoi. Ça a marché, mais pas. Enfin voilà. Enfin bon, Fabien Jordan vous l'explique mieux. Et donc pour rentabiliser en fait les décors et tout, ils ont mis en chantier Son Kukai. Et franchement, moi, comme je l'ai dit, j'adore Son Kukai, malgré ses défauts. Donc tout ceci pour vous dire que je pense d'ailleurs que pour justement qu'il y a plus d'émissions et plus consacrées à Son Kukai et les évadés de l'espace, eh ben je vous ferai des émissions épisode par épisode et vous dire bon bah d'accord, il faut se rappeler aussi que ça date de 78, donc forcément niveau effets spéciaux ça a un peu vieilli, enfin beaucoup vieilli même. Mais aussi que ben ils n'avaient pas autant de budget que Star Wars, donc ceci explique aussi cela. Mais bon, malgré ce manque de moyens, cette série pour moi est beaucoup plus intéressante que Star Wars et que elle est beaucoup plus adulte
que tout le monde se l'imagine en fait. Malgré que ce soit un programme pour enfants, les sujets dans Sanctuary sont quand même assez adultes, même représentatifs des faits passés niveau Seconde Guerre mondiale, etc. Comment dire, des virus, des vaccins. D'ailleurs, en parlant de virus, on est en plein dedans. Mais bon, hein, qui sait, on en parlera peut-être dans l'émission, dans la 15e émission, ou 16e, ou 18e émission. Si on arrive jusque-là, bien sûr, si ça vous plaît, ou si ça vous plaît pas. De toute façon, même si ça vous plaît pas, je pense que je continuerai à le faire. Parce que déjà, c'est pour moi, je l'ai fait comme ça pour passer le temps, et puis en niveau de confinement, ça occupe. Et donc, je pensais déjà pour l'émission prochaine, en fait, c'était de vous parler un peu plus de ça. Donc là, vous voyez, là, c'est Sidéro. Donc, vous parlez un peu donc des jouets qui sont sortis sans le Koukaï. Ça, c'est Sidéro Poppy. Franchement, moi, je trouve assez sympa. Voilà, enfin, je pense que plus en détail, on parlera de ça, des jouets sans le Koukaï, la prochaine émission. Bah, sauf si ça vous intéresse pas de parler qu'on parle de ça, hein. De toute façon, si ça vous intéresse pas, vous y regarderez pas. Et donc, voilà. Et puis, de toute façon, je fais ce que je veux, c'est mon émission. Donc, je parle de ce que je veux. Et voilà. Dernière petite chose que je vais aborder aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit au début de l'émission, nous sommes en confinement au 13e jour. Et bah, comme dans tout confinement, voilà, au bout d'un moment, hein, on s'ennuie. Hein, donc, on pète un petit peu les plombs. Et donc, ben, je vais vous présenter un petit délire que je me suis fait cet après-midi en pensant à tourner cette émission. Donc, bon visionnage. Ah oui, avant de visionner, n'oubliez pas une chose, ça risque de vous faire saigner les oreilles, mais bon, il faut bien s'amuser. Donc, petite vidéo et on se retrouve juste après. Sans koukaï, c'est un message. Sans koukaï, c'est un voyage. Sans koukaï, c'est la bataille. Sans koukaï, dans les étoiles, mon nom est Sidéro, je répète, Sidéro. Je vous pars à bord du Sans koukaï. Dans l'espace, il y a des machines. Dans l'espace, la guerre est sublime. Dans l'espace, l'aventure dépasse. Dans l'espace, les rêves, les angoisses. Dans l'espace, quelqu'un nous regarde. Dans l'espace, sans koukaï, c'est un message, sans koukaï, c'est un voyage. C'est un voyage. Attention, Cosmoser à portée de tir. Volcor nous attaque. Volcor nous attaque. Dans l'espace, il y a des légendes. Dans l'espace, des empires s'étendent. Dans l'espace, le bien et le mal. Dans l'espace, se livre bataille. Dans l'espace, quelqu'un nous regarde dans l'espace. Sans koukaï, c'est un message, sans koukaï, c'est un voyage, sans koukaï, c'est la bataille, sans koukaï. Dans les étoiles, sans koukaï,
C'est la bataille, c'est la bataille. Sans koukaï, sans koukaï. Donc, hein, oui, hein, je vous ai dit, hein, ça pique, hein, ça pique les oreilles, hein, ça fait saigner les oreilles, ça pique peut-être aussi les yeux. Mais bon, ça me fait du bien de se défouler un petit peu, de se passer du temps. Et bon, il est temps que je vous dise à la prochaine émission. Et en attendant, eh bien, je ne vais pas dire comme Fabien Jardin, je vais pas vous dire transmutez-vous bien. On changera. Je vais vous dire pour l'instant, ben, les amis, restez confinés chez vous, ne sortez surtout pas. Pensez aux autres, pensez à vous, à votre famille, à vos enfants. N'allez pas chercher le diable. Hein, restez bien chez vous à regarder toutes ces émissions que tout le monde s'amuse à faire. Détendez-vous. Enfin, restez confinés, restez chez vous, ne sortez pas. Et pour terminer, et ben, petit générique. Et le petit générique, en fait, sera ce mot de la fin. Et ce sera le bêtisier Et ben, de la chanson que vous venez de voir en vidéo. Avant que je refasse la vidéo. Voilà, allez, ben, les petits loups, hein, les petits amis, restez bien confinés et prenez soin de vous. Ça va pas. Et pas grave. On va faire comme ça. Bon, c'est pas grave, je laisse tourner. Ça doit être ça alors. La guerre est sublime dans l'espace, l'aventure dépasse dans l'espace, les rêves, les angoisses dans l'espace, quelqu'un nous regarde dans l'espace. Koukaï, sans koukaï, c'est un message, c'est un message. Sans koukaï, c'est un voyage, c'est un voyage. Attention, Cosmosaur à portée de tir. Valkor nous attaque, Valkor nous attaque. Dans l'espace, y a des légendes dans l'espace. Des empires s'étendent dans l'espace. Le bien et le mal dans l'espace. Se livre bataille dans l'espace. Quelqu'un nous regarde dans l'espace. Koukaï, sans koukaï, écoute. Là, j'ai oublié de commencer. T'abuses, je suis obligé de recommencer maintenant. J'étais bien parti en plus. Putain, il abuse ce gosse.